Tandis qu'à Hollywood, les préjugés freinent la carrière de Bruce Lee, à Hong Kong, l'industrie cinématographique locale entre dans son âge d'or. Depuis 1966, grâce aux efforts de Run Run Shaw, le patron de la Shaw Brothers, les films de sabre chinois parviennent enfin à s'imposer face à leurs concurrents japonais. L'Hirondelle d'or de King Hu révèle le charme de Chiang Pei-pei, tandis que Shang-Chi impose la puissance de Wang Yu dans Un seul bras les tue à tous. En 1970, le succès de La vengeance du tigre de Wang Yu définit la nouvelle orientation du genre. Désormais, les acteurs doivent être capables de jouer de façon crédible des scènes de combat à main nue. En 1971, Wang Yu vient juste de prendre son indépendance en tournant pour la Golden Harvest, la toute nouvelle compagnie fondée par Raymond Shaw. Raymond Shaw contacte Bruce Lee et lui propose le rôle principal d'un petit film de kung-fu intitulé Big Boss. Lee Hsien Loong 1971年我就幫佢拍《龍爭虎鬥》。 Sur le plateau de Big Boss, le chorégraphe Han Ying-jie, qui interprète le grand méchant du film, permet à Bruce Lee d'utiliser son propre style de combat et le rend plus spectaculaire en y ajoutant des coups de pied sautés, amplifiés par des trampolines. Le premier film de Big Boss, c'est un film de Lee Hsien Loong. 一出来收过百万，咁啊好轰动。 Big Boss sort à Hong Kong le 31 octobre 1971 et bat tous les records d'entrée de la colonie britannique. Du jour au lendemain, Bruce Lee est propulsé au rang de superstar. Quelques semaines plus tard, il débute au sud de la Golden Harvest le tournage de La Fureur de Vaincre. En plein milieu du tournage, Lo Wei déclare à la presse qu'il a tout appris à Bruce Lee. L'acteur refuse de tourner tant que Lo Wei ne se sera pas excusé. Le réalisateur maintient ses déclarations. Les cascadeurs cessent à leur tour le travail pour soutenir celui qu'ils considèrent comme le premier d'entre eux. Lo Wei est contraint de présenter des excuses publiques. Action. 係嗰陣時個導演叫 Robert Coase，
Robert Coase 做導演，一個美國過嚟嘅導演，佢咁就個場面，當時喺香港嚟講就係好大場面嘅。 Robert Coase 佢係一個美國導演，佢係同李小龍研究過好多次，咁就兩個去即係成組人去研究過去攞嘅。咁有時李小龍接受 Robert Coase 嘅意見啦，咁有時 Robert Coase 就接受李小龍意見，大家就調嚟調去嘅，即係合作得好愉快。 咁啊，好多龍虎武師都有去參與演出。咁啊，當中有袁華啦、袁彪啦，好多好多即係而家都成咗名嘅演員有參與。And starring Black Belt Hall of Fame, Undisputed Martial Arts Champion and International Film Star Bruce Lee. 李小龍係一個好有mentality嘅人，即係好有思想嘅人。 佢嘅腦係比佢功夫仲要強嘅。李小龍嘅要求係好高嘅，佢好想做到一樣，100%。佢所以每次去做一樣嘢，研究咗好耐，試過好多次，然後先去做。咁啊，佢啲動作。 Fighting techniques are carefully choreographed by Bruce Lee and the director. Discipline and coordination are the only protection against possible lethal accident. Under this drive for perfection, Lee and the other actors put in over 12 hours of work to recreate a single kung fu sequence. Roper, Williams and Lee。咁只係有啲即係翻關關鬥嗰啲嘢咧，就係由嗰啲武師去替佢翻筋斗嘅。但所打嘅嘢都係李小龍做。李小龍所有佢嘅嘢動作打嘢都係由設計。咁啊，我哋呢班即係武師係從旁協助嘅啫。 Tout au long du tournage d'Opération Dragon, Bruce Lee se réveille à 5h du matin. Le soir, il s'enferme dans son bureau jusqu'à minuit pour dessiner les chorégraphies du lendemain. Puis, avant de se coucher, il effectue encore une heure de musculation dans sa salle de gym. 因為嗰陣時，李小龍係好 never 係因為好多嘢做啊，佢要求高變咗，好多嘢佢做唔到佢就會即係發敏感。咁啊好多時李小龍都發敏感，咁啊又有影，因為紅咗之後又有應酬啊，成啊好多嘢，即係周圍壓力嘅俾佢啊，變咗佢好辛苦，係比較即係緊張少少。 Le 10 mai 1973, Bruce Lee est victime d'une attaque cérébrale. Contrairement aux apparences, l'acteur est devenu extraordinairement fragile. Depuis 3 ans, il prend quotidiennement des antalgiques qui l'aident à supporter la douleur d'une grave lésion vertébrale.
dans les kiosques à journaux, dans les librairies d'arts martiaux, livres et magazines reprenant les textes écrits par Bruce Lee s'affichent toujours en vitrine. Oui, bien. Bien. Well, Bruce Lee's success, everybody learned from Bruce Lee. When I do a Drunken Master 1, everybody learned from me. Drunken Master sister, Drunken Master, every. So this one, we stopped doing these kind of things. Then we're doing more than doing police story, this kind of series.